obscurantisme de la jeune française qui s'est rendue. Colonel Ablaye Maïga, à ta message de France, ni Alassane Dramane Ouattara, aïe à la main, Amitlaka, Antani Faraka. Génocide contre les Tutsis au Rwanda. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la jeune française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une cinquantaine de fois en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, Son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire les réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en quatre temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique, naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à deux. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à deux concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée, forcément il remporte les élections, et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections saluées par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants, fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente, c'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Ampateba met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation.
C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent, dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien. Le Mali rappelle que, conformément à la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, trois principes guident l'action publique nationale. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali. Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent. De même, le Mali, fidèle à son engagement panafricain, continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les Nations Unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester... Ah, Malien, on a autorité nous à dire ça. Colonel Ablaye Maïga. Ah, Nitchen. Atara, réponse de France, ma, ani Alassane Dramane Ouattarama. Adore tara fo ad Nations Unies na ko Mali autorité ko ka ese ka election labe ko ka ko ka telia kwa ko ka election ke kwa eche ja anga autorité fona labe len tara ado kama o folo la ka adore merci folo de kwa kasura ka message grimo bo di ama eche Ablaye Maïga mai Colonel Ablaye Maïga e frappe min ke Nations Unies na bi non anga autorité num be de ka fari kwa ako adoma ebi ga foko an an telia ka election ke ebi ga emi bi ga trojan mada ko mi bisena ko ika do nga foko ibi ga sharia soso de donc etay kun yesa shubiki imoro shubika amoke bo banabagato la kwa che mo ay kuma ba chama de foi non aklala tuni ka français accusé ko français ou ben localisation du trousuma français ou bina duka dronu wa helicopter blaga na Mali kono ka info ta ko ditourusu ma pour que ou sera faire Mali sera chou ma chourmi atara ni benye fo oni na fui ama fui toi a ha benye fo wa France da ka kantike ka adu da ka kantike ko wa ni tara TikTok commentaire la ibi jamana wore mo wi ubi ka fo franchement parler ils ont fier d'être africain ça dire que ko akati ulu ire de ka ka nationalité malienne di ulu ma quoi tellement Mali autorité wi farafinya irabin onina non Ablaye Maïga bravo amwa okoko quoi.